Alors, regardez les amis, sur la vidéo, là, je suis en train de montrer une zone. Vous voyez, il y a un gros pic volume profile moyen terme et il y a un très beau pic, un très beau POC TPO, ce trait rose là, comme je les aime, très charnu, à 4066. Je suis en train d'expliquer que j'attends le marché à ce niveau, aux alentours des 4066, parce que c'est une confluence de niveaux entre ce gros pic volume profile moyen terme. Et ce POC TPO vierge, cette confluence de, ce sont deux niveaux extrêmement puissants qui confluent. Donc là, les yeux fermés, je pose un ordre et j'attends que les prix arrivent dessus. Vous voyez, j'ai posé mon ordre. Venu à deux tics de mon ordre. Vous avez vu, et ça a réagi parfaitement. J'aurais fait un très beau trade. Ça m'embête parce que là, ça fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, qui sont entre 2 et 5 ticks de mon ordre. Donc, j'ai peur que ça casse, vous voyez, et d'être pris dans un mauvais trade. Donc, je vais retirer mon foutu ordre là, et je vais attendre qu'il se présente sur la zone qui m'intéressait. En fait, ils sont à... Attendez, je vais retirer mon ordre. C'est le haut de la zone qui m'intéresse, hein, regardez. Ils ont touché le pic volume moyen terme, mais moi je m'étais mis comme l'ordre, j'avais mis au POC vierge, un truc rose. Donc un petit peu plus bas que le pic moyen terme, là. Bon, peut-être qu'ils vont redescendre. Bah, je me méfie, quoi. En tous les cas, 4066, voilà. C'est pour moi un point en confluence avec ce pic volume profile moyen terme. Ce point-là, le trait rose à les 4066, qui est un POC TPO extrêmement joli, très charnu, c'est un point pour un scalp magnifique. Et vous voyez que le haut du pic moyen terme, le plat du pic moyen terme là, a renvoyé. Déjà, on aurait pu faire, j'étais pas là, hein, mais on aurait pu faire 4 ou 5 scalps à chaque fois. C'est un très beau niveau. Hein. Un pic comme ça, charnu comme il est là, c'est un niveau magnifique. Surtout qu'on est avant l'entrée dans un grand creux. Donc c'est extrêmement défendu parce qu'à partir du moment où on rentre dans le creux, ça risque de déballer. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on revient sur ce pic, là, c'est très défendu. Bon, en attendant, tiens, ils sont en train d'y aller. Donc 4066, hein, 4066, c'est ici, là où il y a les 440 contrats, le truc rouge. Ça y est, les voilà, les voilà, les voilà, les voilà. 4066,25. Allez, 4066, ils touchent. Ouais, ok. J'ai pris, hein. J'ai pris, hein. C'est pour vous montrer le scalp, la puissance de niveau comme ça. Regardez, je suis dedans. Tant que ça monte, je reste dedans. Ah, c'est hésitant. Ouais, c'est joli, le petit overlap là, rejet, et ça remonte. C'est très bien, très propre. Ok, superbe. Allez, je sors. Pouf, je suis sorti. 362, voilà, 362 balles. 360 balles en un scalp. Vous voyez, les amis, la puissance du volume profile et du market profile. D'accord? Et là, on ne parle même pas d'order flow. Hein. Là, je n'ai pas parlé d'order flow, j'ai parlé que de niveau. Regardez, on a touché au tick près la zone que j'attendais. Pouf. J'ai même pas parlé d'order flow. Uniquement de niveau. D'une puissance, c'est incroyable. Bisous, tchuss.